Primitiver fait partie des compétences fondamentales de base. Alors, contrairement à la dérivation qui est un procédé mécanique, la primitivation, c'est plus compliqué. Ça requiert parfois des connaissances, de l'intuition, de la créativité. Ce qui rend ça compliqué pour les étudiants. Mais par contre, on peut devenir bon en primitivation à condition d'avoir la bonne démarche. Le principe, ça consiste à partir de quelques fonctions qu'on sait primitiver et à augmenter progressivement le nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Alors, sur ce dessin ici, j'ai représenté quelques-unes des techniques qu'on va utiliser pour vous faire progresser méthodiquement en primitivation. Alors, au cœur de notre méthode, il y a bien sûr tout repose sur votre capacité à dériver. Si vous dérivez comme des boulets, vous ne pourrez pas bien primitiver. Il faut absolument dériver juste et si possible rapidement. Et donc, tout repose en premier sur la formule de dérivation des monomes ou des puissances. Remarquez que quand on dérive x puissance alpha, la puissance vient devant et diminue de 1 ici. On va beaucoup utiliser ça. Et donc, on va voir que déjà, rien qu'avec cette formule, on sait primitiver pas mal de choses. Par-dessus, on va ajouter d'autres techniques qui vont venir d'autres formules. Par exemple, la dérivée d'un multiple, c'est le multiple de la dérivée. Et donc, on va obtenir certainement qu'une primitive d'un multiple, on peut l'obtenir en faisant un multiple de la primitive. Pareil, ensuite, on a envie de faire des sommes, ce qui permet de décomposer la difficulté d'une primitivation en petits bouts. Et donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On aura plus ou moins la même chose pour la primitive. Donc, on sait déjà intégrer quelques fonctions avec ça. Avec les multiples, on augmente notre champ de primitivation. Avec les sommes, on augmente un peu plus. Par là-dessus, on va ajouter notre connaissance des fonctions fondamentales de base, le cosinus, le sinus, le logarithme, l'exponentielle, l'arctangente, la tangente, et dans certaines sections, la tangente hyperbolique, l'arctangente hyperbolique, le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique. Il y a d'autres fonctions qui peuvent venir se rajouter, mais bon, on va dire que les plus fondamentales sont là. Une fois qu'on a ajouté ces fonctions-là, ça étend encore un peu plus le champ de ce qu'on sait faire, un petit peu comme ce dessin, tout s'étend un petit peu. Par là-dessus arrive une formule super méga fondamentale qui va nous permettre de bien trouver des primitives et de bien faire des changements de variables. C'est la formule qui donne la dérivée d'une composée que j'ai écrite ici avec des U, hein, et donc personnellement, je commence par dériver l'intérieur, puis je multiplie, s'il y a une multiplication ici, là entre les deux, par la dérivée de ce qu'il y a à l'extérieur et on recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc cette petite phrase, qui est un excellent moyen mnémotechnique, vous permet de dériver simplement, concrètement et sans risque, contrairement aux formules compliquées qu'on essaye de bourrer dans sa mémoire, mais la mémoire n'est pas fiable. Et donc cette formule ici nous donne une espèce de recette qui permet de bien intégrer la fameuse forme U' fois F de U, qui va nous permettre de trouver simplement des primitives et de rédiger tout ça en une ligne. Et donc ça étend énormément le champ de nos possibilités. Alors une conséquence de cette formule-là, c'est qu'on sait aussi primitiver tout ce qui est translation, transformée affine, zoom. Tout simplement, quand on dérive ça, je dérive l'intérieur, il y a un qui sort, je multiplie par la dérivée de l'extérieur, il y a un f', je recopie l'intérieur, ça fait ça. Et donc l'idée, c'est que si on sait primitiver une fonction, bah on sait primitiver sa transformée affine. On verra ça plus tard en détail. Alors dans certaines sections, alors pas en section ECS, pas en section BCPST, mais bien sûr chez les MP par exemple, à partir de ce moment-là, on ajoute un chapitre qui est comment fait-on pour intégrer une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes. Hein, vous avez un quotient de deux polynômes. Alors, vous avez le droit de le savoir, même si c'est pas à votre programme, mais on sait primitiver toutes les fonctions de ce type-là. Et ça, c'est un renseignement qui est super important, parce que c'est bien de savoir primitiver, mais une autre question fondamentale, c'est, on vous montre une fonction, ça serait bien, à votre avis, de savoir, bon, je peux la primitiver, ou c'est impossible? Et donc, répondre à cette question est important. Et donc, à partir de maintenant, dès que vous voyez
un quotient de deux polynômes, vous pourrez vous dire, ah ouais, c'est toujours possible de primitiver un quotient de deux polynômes. Et donc ça étend bien sûr énormément le champ du nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Alors, en MP et ainsi de suite, on va apprendre aux gens à primitiver ce genre de fonctions. Donc en ECS, c'est bon de savoir que c'est possible. Dans les sujets de concours, ils indiquent, il y a toujours une constante par-ci, par-là à trouver pour trouver la bonne forme et ainsi de suite. Et ça fait pas de mal de voir vite fait en 15 minutes comment on fait pour les primitiver. Là-dessus, donc normalement, on a déjà un champ assez énorme de fonctions qu'on sait primitiver. Mais par là-dessus, on va ajouter le théorème de changement de variable qui va repousser les frontières de ce qu'on sait faire. Alors à noter qu'en général, quand on peut faire un changement de variable, souvent il y a possibilité aussi de passer par cette méthode-là, ce qui évite une rédaction lourde et de primitiver directement au lieu d'invoquer le théorème de changement de variable. Donc une fois qu'on a ajouté les changements de variable qui sont un outil majeur dans le chapitre sur primitive et intégration. Alors à noter qu'en ECS, on n'est pas censé trouver soi-même le changement de variable quand il n'est pas affine. Alors que dans les autres sections en MP, vous avez sacrément intérêt à être capable de trouver un changement de variable. Ensuite, au-dessus du changement de variable, on va rajouter l'intégration par partie qui découle de la formule de dérivation du produit et qui permet encore une fois d'étendre le champ de ce qu'on sait faire. C'est un outil majeur aussi, l'IPP. Dans le chapitre intégration, primitive, changement de variable, intégration par partie sont les trois outils majeurs. Et donc normalement ici, ça nous donne déjà un vaste choix de fonctions qu'on est capable de primitiver et d'intégrer. Et par là-dessus, eh ben, il faut pratiquer et en accumulant l'expérience, ce qu'on a vu par exemple, il y a d'autres techniques qui arrivent, par exemple la technique diabolique de la double intégration par partie et ainsi de suite. Décomposer des cosinus et des sinus en exponentielle en exponentielle, linéariser les fonctions trigonométriques, et ainsi de suite. Il y a d'autres techniques qui vont venir se rajouter, mais on va dire que ici, il y a les étapes majeures pour progresser en primitive, plus ou moins dans l'ordre, dans lequel on doit les faire. Alors, la formule la plus fondamentale en ce qui concerne la primitivation est la formule qui découle de la dérivée de x puissance alpha. Et donc, quand on dérive x puissance alpha, donc une puissance ou un monome avec une puissance qui peut être réelle, ce qui se passe, c'est que la puissance qu'on a en haut vient devant, ici avec une multiplication, et ensuite la puissance diminue de 1. Et donc, ça nous indique comment faire pour primitiver. Quand vous avez un monome, bah, puisque dérivé fait diminuer la puissance de 1, primitiver va augmenter la puissance de 1. Donc on va ajouter 1 à la puissance. Et après on se dit, mais mince, si je dérive ça, il y a un alpha plus 1 qui va descendre devant et être multiplié. Et donc on divise par alpha plus 1 pour le compenser. Et donc c'est cette recette-là que personnellement j'utilise. Je n'apprends pas par cœur cette formule-là. J'utilise des recettes pour primitiver. De la même façon, 1 sur x, qui est en fait égal à x puissance moins 1. Et bah, ce primitif en logarithme de valeur absolue de x. Alors c'est un cas spécial. La valeur absolue c'est un peu chiant. En général, on essaye de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Remarquez que si x est strictement positif, on peut l'enlever. Et que si x est strictement négatif, on peut la remplacer, valeur absolue de x, par moins x. Donc ça ferait logarithme de moins x. Ça paraît un peu surprenant, mais ça marche très bien. J'en profite pour rappeler que les puissances sont définies à l'aide de l'exponentielle et du logarithme. Quand x est strictement positif et quand alpha est réel, on peut même prendre alpha complexe en fait. Et il y a des cas particuliers, c'est-à-dire que si alpha est un entier, x puissance n peut être défini autrement qu'avec un exponentiel et une logarithme, mais comme x fois x fois x fois x n fois. Et dans ce cas, c'est défini pour tous les x réels et tous les n entiers. Et il y a un autre cas particulier, c'est quand vous avez une puissance négative. Hein, puisque ça, c'est défini comme étant égal à 1 sur x puissance n, et bien là, il ne faut pas que le truc du bas s'annule, et donc il ne faut pas qu'on prenne un x nul. Donc ça donne des cas un tout petit peu particuliers. Mais donc, ce qui est important, c'est de retenir que pour intégrer un x puissance alpha,
On regarde déjà si c'est un sur x, auquel cas c'est un logarithme. Si c'est pas un sur x, donc si le alpha est différent de moins 1, eh bien on primitive en ajoutant 1 à la puissance, et ensuite on dérive dans sa tête pour voir par quel nombre il faut dériver en bas pour que ça marche bien. Et bien sûr, on retrouve que alpha doit être différent de moins 1, puisqu'on ne dérive jamais, on ne divise jamais par 0 en mathématiques. Donc voilà pour la technique. Alors maintenant, voilà plein d'exemples de fonctions qui peuvent être primitivées par cette formule-là et cette technique-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fonctions à l'aspect un peu étrange, et on peut les primitiver sans problème. Comment? Eh bien, on augmente la puissance de 1, donc ça fait 4, et après quand je dérive, il y a un 4 qui descend, donc il faut que je divise par 4. 1, c'est x puissance 0. Et donc bah, si j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 1, et je divise par 1, ça marche aussi. 1 sur x, ah ouais, c'est le logarithme de valeur absolue d'x. 1 sur x cube, il faut l'écrire comme un x puissance moins 3. Et donc j'augmente la puissance de 1 et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. Racine de x, c'est une puissance 1 demi. Et donc j'augmente la puissance de 1, ça fait 3 demi, et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. X racine de x, c'est x puissance 3 demi. Et donc là, j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 5 demi divisé par 5 demi. A noter que si ça vous amuse, vous pouvez l'écrire comme ça ensuite, vous pouvez simplifier. Hein, si je retourne ma fraction comme une crêpe, ça donne cette fonction-là qui est quand même sacrément plus compliquée que celle-là. Donc pour primitiver, comment dire, écrites sous forme de nombres réels comme ça sont vachement pratiques. Après, humainement parlant, ça arrive qu'on préfère les voir sous cette forme-là. Cette fonction-là, c'est tout simplement un x puissance moins 5 demi. Et donc j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance moins 3,5, et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. Oula, ce truc-là, ça a l'air compliqué, mais c'est rien d'autre qu'un x puissance 3,5 en haut, moins 2 en bas, ça fait un x puissance moins 1,5. Et bah j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 1,5, et je divise par 1,5. Et x puissance moins pi, bah on a déjà ça sous la bonne forme. J'augmente la puissance de 1, et je dérive par la puissance qui descendrait si je dérivais la fonction du haut. Vous avez pu remarquer que j'ai primitivé à l'aide de cette technique 9 fonctions un temps record. C'est pour vous dire toute la puissance de cette formule-là, que vous devez absolument avoir intégrée dans votre arsenal. C'est la base de tout. Elle est plus importante que toutes les autres, celles-là. Et elle est exploitée régulièrement et je veux dire énormément dans les épreuves de concours. Alors, au rang des règles de dérivation super importantes qui permettent de bien primitiver, il y a cette règle-là très simple qui dit que la dérivée d'un multiple est le multiple de la dérivée. Et donc, du coup, si on est capable de primitiver une fonction f en grand f, la flèche vers le haut représente la primitivation, et bah du coup, on est également capable de primitiver les multiples de la fonction petit f. En fait, les constantes multiplicatives, eh ben, on arrive très bien à se débrouiller avec grâce à cette formule-là. Et donc, elle ne nous gêne pas pour primitiver. Un exemple, voilà déjà des fonctions, c'est déjà un peu plus compliqué que tout à l'heure, puisqu'on sait maintenant faire deux choses. On sait primitiver x. Une primitive de x, ça serait x au carré sur 2. Et bien donc, puisqu'il y a un 3, hein, c'est x puissance 1, j'augmente la puissance de 1, ça fait 2, je divise par la bonne constante, mais puisqu'il y a un 3 devant, bah, je le rajoute. Et voilà, ça fait la primitive de ça. Parfois, on n'est pas obligé de procéder comme ça. Par exemple, x au carré, c'est facile de voir que la primitive, ça serait x3 sur 3 qui va venir compenser là. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on augmente la puissance de 1, ça fait x3. Après, en dérivant, il y a un 3 qui va descendre, et donc du coup, on rajoute le 2 pour que ça fasse bien un 6. Une primitive de 1 sur x, bah, c'est le log de la valeur absolue, et avec le 2, bah, il y a un 2 multiplicatif en plus. Faut que je mette mes flèches, moi. Tchac, tchac, tchac. Ici, c'est un x puissance moins 700. Et donc, la puissance augmente de 1, donc ça fait x puissance moins 6, et je dois diviser par moins 6.
Enfin, quand je dérive, il y a un moins 6 qui va descendre. Si je veux obtenir un moins 3, il suffit que je divise par 2. Ah, on ne voit pas le moins 6. Alors, donc une primitive, c'est x puissance moins 6 et il faut diviser par 2 pour obtenir le moins 3. Alors ça, c'est un 2x puissance moins 1 demi. Et donc je vais augmenter la puissance de 1 sur le x, ça fait x puissance 1 demi. Et quand je vais le dériver, il y a un 1 demi qui va descendre. Bah, si je veux obtenir un 2, il faut que je mette un 4. Donc on peut procéder comme ça marche plutôt bien, c'est simple, c'est concret, plutôt que de d'abord primitiver le x et ensuite de multiplier par 2 et de faire la simplification, on peut faire tout d'un coup. Alors ça c'est un x puissance 1,5, donc j'augmente la puissance de 1, donc ça ferait 3,5. Donc il faudrait que je divise par 3,5. Et après si je veux obtenir un moins, il suffit que je mette un moins devant, hein, que je multiplie tout par moins 1. Ça, c'est un x puissance moins 3, donc si j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance moins 2. Je suis censé diviser par moins 2, pour obtenir ce qu'il me faut. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aussi dire, bah, quand je dérive ça, il y a un moins 2 qui va descendre. Or, moi, je veux un racine de 2, donc il faut peut-être que je divise par un moins 1 sur racine de 2. Ici, ça a l'air compliqué, mais ça, c'est un 2 tiers fois un x puissance 5 demi. Donc j'augmente la puissance de 1, ça fait 7 demi. Je vais avoir un 7 demi qui va descendre. Et donc pour obtenir un 2 tiers, qu'est-ce qu'il me faut? Un 7 demi qui va descendre, il faudra que j'enlève le 7. Hein, je vais avoir un 2 en bas et il me faut un 2 en haut. Donc il faut que je mette un 4 et le 3 qui reste. Donc on peut faire comme ceci. Bon, moi je fais comme ça marche plutôt bien. Vous faites comme vous voulez, mais le principal c'est que vous ayez juste et que vous fassiez vite. Et ensuite, si vous débutez en primitivation, en fait, si vous êtes un bolos en primitivation, vous avez intérêt à redériver votre primitif pour vérifier que vous n'êtes pas vautré. Parce que moi, l'expérience me dit que les étudiants se vautrent 8 fois sur 10 quand ils débutent en primitivation. Et ça fait des grosses catastrophes en DS quand les primitives sont fausses. Ok, on va aussi aborder la troisième règle, à savoir que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Pour la primitivation, ce que ça implique, c'est que si vous êtes capable d'intégrer le petit bout f de x en grand f de x et l'autre petit bout g de x en grand g de x, et ben vous êtes capable de primitiver la somme f plus g en grand f de x plus g de x. Et donc ça, c'est super important parce que ça veut dire que pour primitiver ce gros pâté, et ben on divise le travail en deux, on commence par dériver le petit f. Ensuite, on primitive le petit g et on additionne le résultat pour trouver la primitive du bout compliqué. C'est une technique qui permet donc de découper un problème complexe en petits problèmes plus simples. Donc voilà le genre de fonction qu'on est capable de primitiver à cette étape-là. Donc il commence à y avoir des sommes, des différences, il y a des monomes, il y a des multiples et ainsi de suite. Donc bon bah elle commence à avoir une drôle de tête, hein, nos fonctions. Mais bah, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre chaque petit bout. Donc par exemple celui-là, racine de x, c'est un x puissance 1,5. Donc ça fait un x puissance 3,5 divisé par 3,5. Le bout là, il fait un 7 logarithme de valeur absolue du x et on les ajoute. Voilà. Le bout là a un polynôme, donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour intégrer les polynômes à ce moment-là. On sait intégrer les monomes, les multiples et les sommes, donc on sait intégrer tous les polynômes. Donc notre spectre de. Enfin le champ d'application de notre capacité à primitiver englobe déjà tous les polynômes. Donc alors lui on le primitive en x4 sur 4, lui on le primitive en x puissance 5, il y a un 5 qui va descendre, il me faut un 2 donc en 2 cinquièmes, on ajoute, voilà c'est fait. Bon pour l'instant je marque pas les constantes d'intégration parce que c'est trivial ça, le but c'est déjà de trouver une primitive. La fonction là a l'air super compliquée, ouh t'as l'air compliqué toi, mais alors du coup il faut penser à séparer en deux. Si on sépare en deux, ça simplifie. Par exemple, un 3x2 divisé par un x sur racine de x. Une autre façon de le voir, c'est que ça fait un 3 racine de x plus, et l'autre bout, c'est un x divisé par ça plus un 1 sur racine de x. C'est déjà plus simple quand c'est décomposé en petits bouts comme ça. Et ensuite, bah, en primitive, en disant, bah, toi, tu as un x puissance 1,5, donc ta primitive, c'est un x puissance 3,5. Quand je te dérive, il y a un 3,5 qui va descendre, et donc il y a un 2 en trop, bah, faut que je mette un 2.
1 divisé par 2. Et toi, 1 sur racine de x, t'es un x puissance moins 1,5. Donc je te primitive en ajoutant 1, donc ça fait un x puissance 1,5. Quand je te dérive, il y a un 1,5 qui vient, mais j'ai pas besoin de 1,5, donc il faut que je mette un 2. Voilà. La primitive, ça, une primitive, ça donne ça. Et puis bah ce bout-là, ça c'est un 2x puissance moins 7, donc on va le primitiver déjà en x puissance moins 6. Mais attention, quand je dérive un x puissance moins 6, il y a un moins 6 qui va venir. Ah, moi il me faut juste un 2, donc peut-être qu'il faut que je divise par un moins 1 tiers mon moins 6 pour que ça fasse 2. Ensuite, le bout-là, c'est un x puissance moins 2. Donc je vais le primitiver en x puissance moins 1, mais quand je le dérive, il y a un moins 1 qui vient devant. Ah bah parfait, c'est nickel. Je vais donc juste avoir besoin de mettre un plus. Et puis bah 1, tout le monde sait que la primitive de 1 c'est x. Voilà, fini. Donc mine de rien, on a quand même primitivé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fonctions en quelques minutes. Vous voyez l'efficacité de cette méthode. Alors pour bien primitiver, il est impératif de connaître ses fonctions de référence. Alors c'est pas la peine d'apprendre les formules avec les U, ça vous encombre le cerveau. Ce qui est nécessaire, c'est d'apprendre les formules avec les X, les formules avec les U, on n'en aura pas besoin et au pire on peut les retrouver avec la technique que je vous donnerai, la technique du U'F de U, enfin bref. Donc par contre, il faut apprendre des formules simples avec les X, ça me paraît bien. Et donc connaître la dérivée de l'exponentielle. Alors on peut dériver l'exponentielle sur r, le logarithme sur r plus étoile. Alors si on met une valeur absolue sur r étoile tout court, la dérivée du sinus, du cosinus, de la tangente. À noter que la dérivée de la tangente peut s'exprimer de deux façons différentes. Il faut connaître les deux formules, 1 sur cos de x au carré et 1 plus tangente carré x, parce que selon les exercices, on va utiliser celle-là ou celle-là. Il faut aussi connaître la dérivée d'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x2. Donc par exemple, ça c'est les dérivées à connaître en section ECS. Mais il y a d'autres sections qui ont plus de fonctions, par exemple le cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique, et aussi l'argument de cosinus hyperbolique, l'argument de sinus hyperbolique, l'argument de tangente hyperbolique, l'arcsine, l'arcos. Il y a d'autres fonctions de référence dans les autres sections, genre MP c'est un peu plus complet. Alors même si vous n'êtes pas en MP, ça peut être utile d'avoir vu un jour dans sa vie que ça c'est la fonction cosinus hyperbolique, hein. Ça ressemble au cosinus sauf qu'on n'a pas les i ici, des formules de l'air. Le sinus hyperbolique pareil, il n'y a pas les i, il n'y a pas le i en bas. La tangente est hyperbolique est définie de la même façon. Ça peut être sympa de les avoir vues parce que vous inquiétez pas, on peut vous faire un sujet de concours où on vous pose cette fonction-là, on vous dit pas que c'est le cosinus hyperbolique, et l'auteur du sujet va vous faire toute une épreuve où vous allez étudier la fonction cosinus hyperbolique. Hein. Donc c'est pas parce que c'est pas au programme officiellement que vous ne tomberez jamais sur un sujet comportant ces fonctions-là. Par exemple, on vous pose une intégrale de cette fonction-là et oh surprise, on donne un nom à la fonction, on l'appelle AS parce que en fait, oui, ceux qui savent, c'est que c'est la fonction arcsinus, enfin bref. Et donc, si vous avez des fonctions de référence dans votre cours, vous êtes censé savoir où on peut les dériver et quelles sont leurs dérivées. Et quand je dis vous êtes censé les savoir, ça veut dire que si on vous réveille à 3 h du matin et que vous êtes mal réveillé et qu'on vous demande la dérivée de la tangente, vous êtes censé dire où elle est dérivable. Donc là j'ai pas mis, mais c'est il faut pas que x soit congru à pi sur 2 modulo pi. Et vous devez être capable de donner les formules sans vous tromper. Si vous avez besoin d'une minute pour les donner, c'est trop. Une dérivée, ça doit être donné en moins de 5 secondes. Quel que soit votre état, même si vous êtes bourré, même si c'est au réveil à 7 h du matin. C'est ça ce que ça veut dire connaître une formule. Et si vous la connaissez comme ça, bah dans 3 ans, vous la connaîtrez toujours comme ça. Alors, dans cette section, j'ai pas mis d'exo de référence parce que ça serait stupide. Je vous demanderais, ah, oh, c'est quoi la primitive du cos? Bah, le sine, bien sûr. Ah, oh, c'est quoi la primitive du moins sine? Bah, le cos, bien sûr, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt ici de mettre des exemples pour l'instant. Hein, puisque je vous pose une question, bing, on regarde en face, on a direct la réponse.